Bonjour et bienvenue, bienvenue sur Alecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo surprise, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va popper sur la chaîne. J'essaye d'instaurer un petit rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis aux alentours de 17h30, 17h45. Mais là, je tenais à vous faire part d'une expérience de lecture et comme le titre va connaître une prochaine publication en version française, je tenais à vous en dévoiler la primeur. Alors, sans vous spoiler les tenants et les aboutissants de l'histoire, je vais essayer de vous donner envie de découvrir ce titre, car pour moi, j'ai lu les trois premiers numéros, je n'ai pas encore lu la conclusion, mais j'ai réellement adoré. Il s'agit de Amazing Fantasy, c'est une mini-série de 4 ou 5 numéros, si je ne dis pas d'annerie, qui est scénarisée et dessinée par Carey Andrews. Carey Andrews, si ce nom vous est familier, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'en ai déjà parlé, puisque c'est lui qui a été à l'origine du récit Spider-Man Règne, et surtout de Renato Jones, sa création propre publiée chez Image Comics, et qui a été également traduit en France, et surtout l'excellent Iron Fist, The Living Weapon, donc Iron Fist, l'arme vivante, mini-série également de quelques numéros, où à chaque fois, il chapeaute pour chacun de ces titres-là, le scénario, le dessin, la colorisation. Bref, c'est lui qui livre toute son histoire clé en main, et il va nous livrer un titre extrêmement prometteur, puisqu'il s'agit de Amazing Fantasy. Amazing Fantasy est un titre qui fait en fait référence à l'une des toutes premières revues éditées par Marvel Comics et où c'est dans ces pages où on a eu le plaisir de découvrir pour la première fois les aventures d'un jeune tisseur de toile, j'ai nommé Spider-Man. Donc le ton est donné, les couvertures renvoient à un univers heroic fantasy ou Sword and Sorcery typiquement pulp propre aux années 60, et c'est franchement un régal de découvrir chacune de ces nouvelles couvertures. Je ne peux malheureusement pas vous les montrer puisque je les ai découvertes via l'application Marvel Unlimited, justement, donc une application en ligne, donc je n'ai pas la version palpable, mais je pense que je vais me précipiter sur la VF parce que c'est un récit vraiment très très cool. Jugez plutôt avec ce pitch de base. Trois héros de l'univers Marvel, pris dans des temporalités différentes, vont être catapultés dans un univers d'heroic fantasy, de magie, où va se dérouler en fait une sombre histoire de bataille, de complot, et chacun des protagonistes va devoir faire des choix. Nous allons avoir Captain America, qui a été pris alors qu'il vient tout juste d'être catapulté en France au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a un jeune Steve Rogers qui découvre ses pouvoirs. Nous allons avoir également le jeune Spider-Man qui vient de se confronter pour la toute première fois au Bouffon Vert, qui va être catapulté dans cet univers d'heroic fantasy. Et nous allons avoir Black Widow, jeune espionne russe qui vient tout juste de terminer ses armes dans la fameuse Chambre Rouge. Donc nous avons trois jeunes héros qui sont donc assez inexpérimentés, si l'on peut dire, qui vont être envoyés dans cet univers-là. La petite cerise sur le gâteau, en ce qui me concerne, en tant que lecteur de Marvel Unlimited, c'est qu'il y a eu un épisode 0 consacré au personnage de Wolverine, qui lui aussi va être catapulté dans cet univers d'heroic fantasy. Et c'est un Wolverine qui vient tout juste de se recueillir sur la tombe de la jeune Mariko, sa deuxième épouse, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais il me semble que Mariko est sa deuxième femme. Et tout ce beau monde se retrouve du coup catapulté dans cet univers d'Amazing Fantasy. Et j'ai vraiment pris un pied énorme à découvrir cette histoire, car encore une fois, Carey Andrews prend le parti de nous proposer un récit radicalement différent qu'on n'a pas l'habitude
de retrouver lorsqu'on va lire un titre comme Captain America, comme Spider-Man, comme Black Widow ou comme Wolverine. Là, on est dans un univers, comme je l'ai expliqué, répété de très nombreuses fois depuis le début de cette vidéo, un univers d'heroic fantasy, de magie. Donc là, les super-héros vont devoir s'adapter par rapport à leur identité secrète, à leur super-pouvoir, ce genre de choses. Et c'est vraiment très, très fun. Je garde en tête un petit passage consacré à Wolverine dans l'épisode 0, où il se retrouve nez à nez avec une sinistre créature qui le défait non sans difficulté, à l'aide de ses griffes et de son pouvoir auto-guérisseur. Il est recueilli par une jeune autochtone qui lui offre le gîte et le couvert et une couche. Et après une nuit d'amour, la jeune autochtone se transforme en sinistre créature qui veut le bouffer. Clairement, c'est un très gros clin d'œil à Conan le Barbare. Et ça, j'ai adoré. C'est une toute petite scénette que je vous partage ici, qui est l'une des très nombreuses joyeuses surprises que nous réserve Carré Andrews pour cette mini-série. Donc n'hésitez pas à guetter chez vos libraires ou là où vous avez l'habitude de vous procurer vos comics. Amazing Fantasy arrive très prochainement chez Panini Comics. C'est en un seul volume. Ça doit arriver courant avril, si je ne dis pas de bêtises. Auquel cas, je vous renvoie à la chaîne de Max Faraday. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en description si vous ne la connaissez pas. Car je pense qu'il fera probablement une petite vidéo sur le sujet par rapport aux annonces de sortie du titre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si, comme moi, vous êtes abonné à Marvel Unlimited et que vous avez découvert le titre Amazing Fantasy et que vous ayez apprécié ou non sa lecture, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire qui vous est dédié, car c'est un espace qui est pour vous et j'ai envie de savoir. Voilà. Je vais arrêter là et je pense qu'il est temps puisque le soleil est en train de se lever et la ligne d'horizon est en train de me marquer le visage. C'était donc Alric pour Alricoscope. Merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein funkitude. Ciao.